Salut, je te présente mon travail, deuxième épisode. Donc tu connais déjà l'histoire des Ségus, c'est l'épisode de juste avant. Je te laisse aller regarder la vidéo, elle est sur mon TikTok, elle est sur mon YouTube, sur mon Instagram. Je vais aller faire mes vérifs de Ségus. Mais je te montrerai en bas surtout ce qu'on fait. Je voulais te montrer un truc surtout, c'est te montrer comment la neige a pris un coup de chaud hier. Tu vois, on voit quand même pas mal les traces de terre. Bah après les dameurs, ils font le boulot qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Mais ça a pris un bon petit coup de chaud là hier, il a fait bien chaud. Je te montre vite fait. Ouh, vers l'infini et au-delà. Tu vois là-bas, la terre là. Alors, c'est un petit jump. La deuxième là, celle-là. Ah, tu mets une bonne impulsion. Ouh. Voilà, alors la deuxième partie du boulot, il y a mon collègue qui est là-haut, il est en train de graisser le rail guide qui est petite blombe de lubrifiant. Et après, en vrai, ce qu'il faut faire, tu montes avec un marteau au niveau des perches, tu vois qu'il y a une goupille qui dépasse, tu dois les remettre dans son axe, tout simplement. Voilà, puis après, une fois que les sécu et ça c'est fait, tu descends, tu bois le café 5 minutes et après tu ouvres ton truc. Je monte mettre de la neige dans un trou de terre. Donc, du coup, je vais monter qu'une pelle et je vais boucher le trou. J'ai mes doigts de pied, c'est des croustibates. Plus qu'un jour et je suis en congé. Et je vais pouvoir aller faire du ski vraiment cette fois complètement. Ah, donc là, je monte avec ma pelle. Et regarde-moi ça, ce magnifique lever de soleil sur la chaîne des Aravis tout autour. Et la tache de terre qu'elle m'a parlé, je suppose que c'est ça, ouais. Oula, ah oui, regarde. Bon, et ben allez, au boulot. Et voilà, j'ai rebouché mon trou et je vais descendre. J'ai une pelle pour faire office de bâton. Allez, c'est parti. Ah. Hello, hello. Regarde-moi ce beau paysage là. Ce que je préfère, c'est la pause repas. Parce que je me dis qu'après mon petit sandwich, je vais pouvoir monter, me faire peut-être une petite descente. Et puis en même temps, je vais checker s'il y a des trous de terre. C'est beau, hein. On est gâté par le temps en ce moment. Mais la terre est vite là. Insérer les chaussures, hop. Elle est cool cette petite descente, quoi. Et si j'essayais un plan canon? Marche pas très bien.